Mais concentre-toi plus sur la puissance. Après la direction. Allez. C'est un birdie ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Golf Luxembourg Ullingster. Donc toujours bien accompagné, on va faire ça ensemble pour le premier vlog de la chaîne. Donc Ullingster, tu connais, ça fait c'est ça, je suis membre depuis un an, là j'attaque la deuxième année ici. Là le parcours est en super état, ouais. Il est vraiment top. Les trois mois de confinement ont fait du bien. les greenkeepers et les employés ont fait du super boulot, vous allez voir ça. On va partir sur 9 ou sur 12 trous en fonction du temps. Il est tard le soir, on espère qu'on ne va pas se faire attraper par la nuit. Et puis on va essayer de s'éclater. C'est parti. Donc on est sur le trou numéro 1, c'est un par 4, c'est un gros 2 de leg gauche droite qui descend énormément. 366 mètres mille de green. Le coude commence à environ 200 mètres. Donc l'idée c'est d'aller se mettre le plus loin possible tout droit. Et après on a une belle... De quoi ? Ben, faut qu'il arrive tout droit. Et après on aura une belle vue sur le green. Ok. C'est parti. Il est bien parti mais t'as fait exprès de... Tu l'as envoyé autant à gauche là ? Alors, à droite, il y a un hors limite. Donc vaut mieux rater à gauche. Ouais, pas mal, ça part à gauche, mais il n'y a pas de risque là-bas. Donc moi je me suis positionné là, dans le rough là. On a pris la balle orange pour qu'on puisse mieux la voir dans le rough parce que je vais plus la balancer là que sur le fairway. Et Tom il est au bout là-bas, on va le rejoindre après, mais parti pour le faire 7 toujours, tout droit, en espérant que j'arrive à viser quoi. Yes, bon contact, elle part à droite. Il y a la route là, non ? Non, non, il n'y a pas de route. Mais t'as pris les arbres en espérant que tu sois pas trop mal placé. Mais c'était un bon contact. Allez. Bon, du coup, moi, ma balle s'est positionnée dans le petit regroupement d'arbres qui est juste là. Et... Non, t'es plus bas. Je suis plus bas encore ? Oui, t'as fait une belle distance. Hein. Bon, cool. Et là, il y a la balle de Tom et le drapeau. Je vais me lever. L'entrée de green est à 158. Le drapeau est tout début de green. On est vraiment en descente, il doit y avoir 20 mètres ou 20 ou 30 mètres de dévers. Donc 160 mètres, il faut jouer 130. Je vais prendre un fer 9. Parce qu'en fait, il y a un bunker à droite, donc je préfère encore être limite court que long et tenter et être dans le bunker. Donc on va faire un fer 9. Oh, elle est belle! Le mec est pressé d'aller voir sa balle sur le green. Laisse-moi taper la mienne déjà qui est dans les arbres là. On a la muscu ce matin mais on n'a pas fait de cardio donc on court un peu sur le parcours. Ah elle est là. Où ça? Ah mais c'est bien. Super ça. C'est bien. Bon maintenant va falloir mettre en action les approches qu'on a bossé un peu ensemble. Donc il reste 70 mètres début de green pour Luc. C'est des coups pas évidents avec des wedges. Putain, il a pris mon wedge ce con. Ouais, c'est bien tapé ça. Allez, le bon rebond. Allez, allez. Et maintenant, arrête-toi. T'es sur le green. Oui. Costaud, bien joué. C'est cool, regarde, elle revient un peu en plus. Luc, mais pas un grand là. Ah, pardon. Bon du coup, Tom putt pour le birdie. Il est très compliqué, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a une genre de fausse pente. Ouais, bah, c'est pas une fausse pente là. Bah c'est une pente en fait. Oh, c'est nul. Dommage. Je pensais que ça allait plus. Ça allait un peu plus rouler que ça, ouais. Bon, le par est pas donné. Ouais, celui-là va falloir aller le chercher. Allez, courage. Allez Luc, putt pour le par. C'est pas mal. Ah, ça tourne à la fin. Allez, finis-le. Concentré. Oh,
purée, fais-moi un bogey là. Tu fais un double là. Ouais. Bon, c'est pas grave, mais. Tiens. Oh, mais non. Oh, dommage. Pas être court, pas être court, pas être court, pas être court, jamais être court. Bon, je crois qu'il est donné celui-là. Tu fais quoi, bogey du coup? Ouais. Putain, j'aurais pu être au même point que mon frère si je l'avais pas loupé ce point. C'est vrai. Punaise. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que un coup de 150 mètres, ouais, tu peux le rattraper avec un pote. Ouais. Alors que. Et tu peux défoncer un coup de 200 mètres à 2 mètres du drapeau avec un mauvais pote. Alors que, ouais. Donc là, on arrive directement sur l'autre partie du parcours. C'est là-bas, hein, c'est ça. Toujours penser à s'hydrater sur le parcours, histoire de refroidir les muscles. La bonne eau de source. Ok, donc par 5 de 433 mètres, avec comme vous le voyez une petite mare d'eau que je n'ai pas du tout envie d'aller visiter. Mais sinon c'est relativement droit, pas d'obstacles sur les côtés, excepté on va dire cette petite mare. Mais sinon, ben, le drapeau au loin, c'est parti. Hein. Oui, ah, il part à gauche. Je me relève, c'est pour ça que ça part là. Je suis pas sûr. Hein. Belle. Elle part un peu sur la droite, mais c'est direct fairway, je pense. Hein. Super. Tu comprends ce que je te dis? Elle est placée, la face là. Et elle va où, ta face? Elle allait dedans ou pas? Ouais. Bon, du coup, balle perdue pour Tom qui s'est retrouvé dans cette petite mare. Il va se dropper juste à côté et c'est parti pour du coup, c'est considéré comme un troisième coup, ça? C'est ça. L'eau à gauche là-bas est environ à 180 mètres. Donc faut prendre un fer qui s'arrête avant. Et comme ça roule un peu, je prends un fer 8 pour être sûr. Oh, elle est belle! Luc découvre les joies du golf. Il voulait essayer de la taper, mais je lui ai déconseillé quand même. Bon, du coup, ça se drop comme ça? Hauteur de genou. Mais oui, c'est bon, c'est bon. Mais non. Allez, reste. Ah, le rebond. Oh, la chatte. T'es à 130 mètres, milieu de green. Le drapeau est début 115, donc tu joues à faire 9. Ok. Tranquille. Ok, là complètement à droite. C'est mort. Deuxième balle. Mais non. Elle est ressortie. De la chatte. Oui. 60 mètres des buggy green. Je vais partir sur le 56. Pars un peu à droite, non? Bon, pas mal. Toujours remettre ce petit niveau. C'est ça. J'ai pas assez d'automatisme pour. Mais je pense que là, tu tires ou t'es aligné. Parce que c'est un bon shot, ça. Hein. Mais t'es complètement aligné à droite. Tu veux me le dire plus tôt? Ça c'était bien fait ça. Punaise, ça c'est très propre. Merci. Bien joué. C'est fort, 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 fort. Oh! Est-ce qu'on le considère dedans? Bah non. Pourquoi? Parce que ça rebondit sur le drapeau. Ah oui, mais le drapeau, oui, c'est vrai. Ah merde. Bien joué. Joli quintuple bogey. Oh merde. Bien joué ça. T'es à quoi? T'es un double bogey? Hein? Bogey? Ah cool. Trou numéro 3. C'est quoi? C'est un par 4. Ouais. 285 mètres. T'as un gros dot leg gauche-droite.
presque à angle droit. Le coude est à 200 mètres. Il y a un bunker à 180 mètres. Soit on prend un fer court et on essaie d'être avant, soit on dépasse. Et le bunker est à 180 mètres là ? Ouais. Ok. Ça, c'était propre, ça. Et là, t'en as fait de la distance. Hein. Bien joué, ça. Il me tarde d'en taper des comme ça. Ah. Ouais, non, mais faut que je monte, là, en fait. Faut que ça monte, tout simplement. Mais le truc, c'est qu'il y a un bunker juste devant. Ouais, donc vaut mieux, à la limite, être long. Mais si t'es long, c'est un hors limite, derrière. Super. Je me positionne à combien de mètres, là, Tom ? Normalement, ça, là, c'est une montre. Sauf qu'on a oublié le bracelet. Merci, Kat, au fait. Ouais, merci beaucoup. T'es à 75 mètres mille green, donc il faut que tu joues 80 mètres. Normalement, c'est ta distance, 56, si tu le tapes correctement. Mais un pitch, si tu le tapes bien, tu vas à 100 mètres. Donc, tu te fous derrière. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai tenté le 56. Voilà, il est bien aligné. Allez, vol ! Vol ! Tu te places à quoi, toi ? Je sais, à 80 mille green. Donc là, ça va être plein coup de 56. Ouais, ça part loin un peu, non ? Ou c'est moi ? Ah, ça part derrière. Bon, bah, j'ai 100 mètres dans mon 56. Je comprends pas. C'est un peu fort, ça. Mais tes contacts sont bons. C'est pas mal. Bon, du coup, avec son 56 très bien tapé... C'est pas celle-là ? C'est pas celle-là, non plus ? C'est parti, hein ? Je sais pas ce que ça va donner. Attends, juste voir qu'on montre. Comment on joue ça ? Je sais pas. Hey, tu veux demander sérieusement ça à moi ? Allez, Tom. Oh, c'est bien fait, ça ! Un peu fort, mais c'est bien fait. Ça devait pas faire ça. Allez, Luc. On va voir si les conseils de Tim. Allez, avance ! Putain, la ligne était pas mal, je pense, mais t'as rien mis dedans. Tu peux être pourquoi là ? Je sais pas. Dommage, un peu court. Bien joué. Ok ? Ouais. Ok, trou numéro 4 par 3, 165 mètres. Et le drapeau est au fond de green, donc il y a au moins 185 mètres. C'est un gros par 3 quoi. C'est ça ? Oui ! Ça, c'est un beau coup de golf, ça. Elle est belle. Elle est à droite, elle va prendre bunker, non ? Derrière le bunker ? C'est la première fois que je dépasse le trou comme ça. C'est dur. Pourtant, c'est en handicap 15, je crois, un truc comme ça. La meilleure stratégie, c'est ce que Luc a fait. Tu te fous à droite du bunker de droite. Ouais, c'est prendre un fer qui n'atteint pas le bunker de droite et taper en direction du drapeau. Et c'est totalement réfléchi. Totalement. Oh non. Ah. Dommage, tu prends un mauvais kick. T'es avec moi, je pense. Pas mal fait, ça. Le putt est... J'arrive pas à voir. Mais... Il est pas donné, mais c'est un mètre, quoi. Allez. Et moi, du coup, je me suis mis là avec mon deuxième coup, mon approche, qui a eu un mauvais kick, il est redescendu, donc va falloir que je remette un coup de 56. Le mec, il commence à contrôler la caméra. Ah, t'as vu ? Eh ben, c'est bien fait. Franchement, solide. Ça se rentre pour bugger, ça. Bugger. Allez, l'œil du sniper. Oui, c'est bien appuyé, c'est solide, ça. Yes, ça. On est tranquille, là, quand même. Ouais, j'avoue, punaise. Ouh, j'ai eu peur. Bien joué. Eh ben, c'est bugger, part. Yes. Solide. Bon, du coup, trou numéro 5, c'est un par 4 de 319 mètres. Assez compliqué d'après Tom parce que pourquoi en fait super compliqué parce que là on voit pas le fairway. À gauche c'est un hors limite, à droite tout est hors limite avec une grosse forêt,
Et en fait, il faut traverser la butte là, aller tout droit. Et après, le fairway s'ouvre. Il n'est pas forcément long. Mais comme le départ est compliqué, tu peux pas prendre un gros club. Là, je pars avec un fer 6. Il y a plus d'herbe tout de suite après ou pas? Ouais, ça... ça... Je vois rien du tout. J'ai perdu. Hein? Ouais, ça c'est propre ça. Ouais. C'est parfait. Uf. Bah elle est partie droite. Putain, là, j'ai une sacoche là aussi, non? Putain, le gazon il est... il rebondit. Du coup, Tom s'est mis juste dans le bunker, là. Quoi, elle est à 15 mètres du drapeau, 10 mètres. Et moi, je me suis mis juste ici, à vraiment la limite du rough, si on peut appeler ça, avant le green, quoi. Hop, juste là. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Bon, bien sorti quand même, mais un peu forte, quoi. Mais concentre-toi plus sur la puissance. Après la direction. Allez. C'est un birdie ça. C'est birdie. C'est propre ça. Oh putain. Eh, hey, premier birdie de ma vie là. Ouais. C'est beau ça. Solide. Allez, à toi. Bien fait ça, dommage, un peu forte. Bien joué ça, bien rattrapé. Du coup, on part sur le trou numéro 6, un par 4 de 357 mètres. C'est en montée, il y a de l'eau sur toute la partie gauche. Super. C'est un dot leg gauche. J'adore. Donc là, il faut aller tout droit. Encore mieux. Et ensuite monter. Bon, on va essayer. Et la même que moi. On va être exactement au même endroit, je pense. Normalement. T'as le mec. T'as rien attendu, t'y allais direct, comme ça, boum. Elle est belle. Je passe. Elle passe au-dessus de l'arbre. Oui. Allez, avance un peu. Ah, mauvais kick. Mais t'es sur le green. De putt et c'est le bogey. C'est solide, Luc. Très compliqué parce qu'il y a une petite bosse aussi. Juste d'entrée de green là. Donc, à voir. Allez, Tom. Bien fait. Oh, dommage. Dommage. Elle est passée peut-être à 15 cm. À combien? 15. Bah, elle est à 5 cm. Peut-être compliqué pour Luc là. Mais c'est peut-être pour part. Là, faut vraiment que tu réfléchisses distance, hein, puissance. Non, c'est peut-être pas assez fort ça. Allez, allez, allez. Dommage parce que je pense que c'était la bonne direction. Ah. Ouh, c'est fort. Non. Vous vous rappelez quand ils se foutaient de ma gueule à cause de mon 4 putt? Là, ils vont faire 5. Ouais, mais toi, c'était marrant, ça faisait des petits tours autour du trou, c'est moi de là. Ouais. On va faire ça dès le début. Ouais. Je suis triple bogey là. Oh, c'est fort, c'est fort. Ouais, c'est... ouais, ouais, mais ouf. T'as eu chaud, mon pauvre, parce que ça descend. Ça, on va se faire arroser, mec. Tu crois? Bah ouais. Enfin, ça, c'est sur le prochain trou. Ouais. Bon, du coup, trou numéro 7. Bah, en fait, on s'est fait un peu rattraper par le temps. Mais on va quand même décider de le faire, celui-là. Ça va être marrant parce que moi, je suis pas sûr de pouvoir dépasser les G. Bon, on va se mettre des rouges pour qu'on va minimiser la casse. Non. Ça va. T'évites la flotte. Ouais. Elle est belle. Ha 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 ha.
Putain, je suis essoufflé, moi. 20 mètres de footing et je suis explosé. C'est monté, hein, mais finesse. Donc Luc nous a dit qu'il allait nous faire un stinger. Un stinger. Perfect là. Ouais. Tu le vois dépasser le. Ouais, ça n'a aucun sens. Faut l'appuyer, non? Faut l'appuyer. Ouais, vas-y, essaye. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'était un vrai coup de golf. Et t'es juste avant le green. Donc, ouais. N'importe quoi. Combien de mètres? 65. Donc j'ai fait 230 mètres. Tu fais un peu trop le fou, je trouve. Bah 56. Non, 52. Allez. Green. Pas mal, non? Ouais, mais le contact était pas beau. Ouais, le contact était pas beau, mais. Mais c'est moi qui te le dis. Hein. Mais franchement, je pense que t'es sur le green là. Donc contact pas très bon. Mais tous les jours, je les prends des contacts comme ça. Pas très bon. Ouais, c'est encore bien touché. Hein. Franchement, solide. Hein. Franchement. Ça va. Donc tu peux être pour 1, 2, 3, 4, 5. Bogey. Ça se rentre. Hein. Allez. Ah. Allez, finis-le. Double. T'es 54, donc tu marques quand même des points. Tu joues mieux que ton index. Ouais, mais c'est nul. J'ai fait deux crasses là-bas. Ah. J'aurais dû te le dire que fallait taper un peu plus quand même. Depuis quand tu putes avec ton truc dans la bouche, toi? Toujours. Mais non. Ça, tu sais ce que c'est ça? C'est parce que tu t'es foutu de ma gueule sur le trou d'avant. Allez, termine ton putt là. Et te loupe pas, hein. Putain, j'aurais tellement rêvé que tu la loupes. Vas-y. Tu fais quoi du coup là? Tu bogey. Je putte pour birdie, je fais bogey. Franchement, à ta place. Ta gueule. Vas-y, ça rend dingue ce jeu de merde. Allez, go. On va pas pouvoir faire 8, 9, 10 parce qu'on s'éloigne trop du départ. Et il va commencer à faire nuit. Un peu nuit. Donc on va dire aller sur le 10, c'est ça? Ouais. Dernier. Le 11, pardon. Ah, c'est celui qui monte là? Non, non, c'est celui juste avant, c'est le par 3. Bon, on voit si on a le temps. Ok. Oh, elle est belle. T'as le bon club, t'es sur le green. Quoi de mieux pour finir cette petite vidéo? Je me suis placé juste derrière ah ouais. Ça en fait. Et le drapeau il est là. Tu m'expliques comment je fais là, Tom? Bah tu te mets là. Là et j'avance juste là. T'es obligé. Ou je la fais. Non, tu l'attends comme ça là. Et retombe. En vrai il y a moyen, ça tombe bien là. Même à faire 7. Tu fais comme une approche, tu vois. Mais là, comme avant, faut la compresser. Faut vraiment essayer de. Tu vois. Mais pas aussi fort, non? Si. Là, aussi fort là? Si, un petit coup comme ça. Si. Ok, ok, ok. Tu okay. vois. Ça va être drôle, ça. Ouais, mais je vois même pas où je tape. C'est tout droit là. Oh oui. Ah, t'es fort, merde! Dommage! J'aurais dû voir la gueule de Tom en train de couler. Mon bois. Quoi? Ouais, je vais essayer un truc de bien voir. Quoi? Oui, mon bois. J'ai vu ça chez Phil Mickelson. Tiens. Alors là, faut vraiment que tu m'expliques. Hein. Ou alors montre-moi, mais. Oh, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est. Ah. Et là, ça roule.
Beaucoup même. C'est ça ne s'arrête pas. C'est Ma qui en parle. Ça ne s'arrête pas en fait. Elle continue. C'est Ma qui en parle dans sa formation. Il y a des coups. Quand vous avez ça là, et que une approche levée ce serait difficile, l'approche roulée compliquée aussi à cause du contact. Ce truc là, si vous savez à peu près le doser, ça vous permet d'aller glisser tranquillement sur les surfaces pré-green et de le faire rouler. Sauf que c'est dommage parce que à quelques centimètres tu tapais le birdie là. Oh, c'est nul. Ah ouais, bah là c'est nul. Ah, vas-y, fini. Belle. Bien joué ça, Tom. Ouais, merci. Très beau coup ça. Bien joué. Tiens. Franchement, il a une belle attitude sur les approches. Ah non. Ouais. J'aurais dû me taire. Eh, ça tourne et ça descend. Arrête-toi. Je l'ai dessus avec la tête. Timis, il me tuerait là. Et complexe. Bon, du coup, on a décidé de pas jouer le trou numéro 9. L'arrosage automatique s'est lancé, donc voilà, on a été un peu pris par le temps. J'espère que ça vous a plu. Ce genre de petit vlog, on pourra en refaire. Nous, on a vraiment kiffé, le soleil était là. Le green parfait, donc remercie encore Golf de Luxembourg pour l'accueil et tout, ils sont toujours au top. C'est toujours top de venir jouer ici, le terrain est en super état. Donc si vous êtes de passage au Luxembourg ou dans le coin, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Avec grand plaisir. Pour partager une partie ensemble. Abonnez-vous si ce genre de contenu vous plaît et que vous voulez en voir d'autres. Le petit like qui fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut les gars. Ciao.